amis, aujourd'hui à découvrir une toute nouvelle histoire avec moi. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un univers qu'on apprécie fortement, mais que je n'ai pas encore fait avec le format animation. Ça vient tout droit de la chaîne GameToons, bien évidemment. Aujourd'hui, on va découvrir la triste histoire du personnage Enderman, du fameux monstre, je dirais même, Enderman de Minecraft. Vous savez, celui qu'on ne doit pas regarder. Et bah, comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Quelles sont ses origines? Et bah, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, maintenant. On y va. Allez, c'est parti, let's go, dites-nous tous les refs. Donc effectivement, c'est bel et bien l'Enderman. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'il était impoli de regarder? Ou à quel point il était dangereux de marcher seul dans ces régions? En vous regardant, est-ce que vous pouvez comprendre? J'ai attendu si longtemps pour raconter mon histoire. Quelqu'un a besoin de savoir comment est-ce que je suis devenu comme ça. Ok, explique-nous tout. En gros... Lors d'une nuit comme celle-ci, il y a plus ou moins 20 000 ans. Ah oui, d'accord, 20 000 ans, c'est pas rien. Les pilleurs sont sortis de nulle part et ont détruit une grande partie de ma ville. Pendant qu'ils saccageaient nos bâtiments et tuaient nos habitants, moi j'étais occupé avec un projet secret. Si nos villes n'étaient plus en sécurité, alors on devait construire une nouvelle ville dans une nouvelle dimension qu'on appellerait le commencement. Toutes nos missions précédentes jusqu'au début s'étaient soldées par un échec. Mais je savais que la conception de mon nouveau portail ferait la différence. Il fallait essayer. Allez, on y va! Ok, donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer le portail, excellent! Il faut envoyer un explorateur. Mais on l'a envoyé pour renforcer la ligne de front, ce n'est pas une option possible. Alors bonne chance. Mais attends, mais je ne peux pas y aller. Je dois surveiller les perles. Tu es le seul à pouvoir faire ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu dis? Le commencement était censé être un paradis. Mais il était encore inexploré. Et j'avais peur. Ça se comprend, hein, tout seul en plus. On a travaillé beaucoup trop longtemps pour abandonner maintenant. Hé, hey, non, attends! Ta bravoure est des plus honorables. Hé, hey, mais tu peux pas faire ça! Je suis un noble! Est-ce que tu m'entends? Ah ouais, il l'attèche direct! Il se fait trahir par... je sais pas si c'était son pote ou pas. Et du coup, il se retrouve tout seul dans le fameux monde commencement, là. Ouais, où est-ce que je suis? Oh non! Cet endroit est inhabitable! C'est l'enfer! Et c'était à peu près ça. Je dois retourner en arrière. L'automne m'a presque tué. J'avais besoin de nourriture. Wow! La flore locale a en fait plutôt mon goût. Oh, oh, c'est ça qui lui permet de se téléporter? En fait, c'est la nourriture. Et a des propriétés magiques. Fascinant! Peut-être que cet endroit allait tout autant. Ce n'est pas si mal en fait. Oh oh, est-ce que ce serait pas l'Ender Dragon ça? Eh si, bien évidemment! Alors là, par contre, ça va commencer à être compliqué pour lui là. Oh oui, effectivement, oui. Eh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà, planque-toi, mon ref, planque-toi. Parce que là, en 1-1 sans rien, chaud. Ah, je pense que je suis en sécurité pour le moment. Mais comment est-ce que je pourrais atteindre ce portail? Si je construis tout droit, je serai une cible facile pour ce monstre. Ah, peut-être que si je construis le long de l'un de ses piliers, je pourrais me cacher dans l'ombre. Non, non, non. C'est bien trop dangereux. Mais est-ce que j'ai vraiment un autre choix? C'est excellent, il a un inventaire. Ah, j'ai pas d'outils. Et sans pioche, comment est-ce que je suis censé faire? Il n'y a pas de bois en vue en plus. Je ne pourrais jamais briser ces rochers avec mes mains. À moins que... Ah, il va céder du dragon pour récupérer des ressources, pas mal. C'est malin, c'est malin. Hé, hey, par ici. Regarde, je suis un homme savoureux. Oh, mais fais gaffe, mon ref, je joue pas trop avec le feu non plus. Hein. Oh, ça a fonctionné. Ouais, oh, il récupère des ressources comme ça, trop bien. Mais j'aurais besoin de bien plus si je veux avoir une chance de rentrer à la maison. What, il change? C'était impossible de savoir quelle heure il était, mais je sentais que les mois passaient. J'étais fatigué. Mais à chaque fois que je tombais, je me relevais et... Il se moquait du dragon, je récupérais un maximum de ressources. Vous avez vu, il se transforme petit à petit, genre... Regardez, même ses yeux. Ouais, je pense que c'est la bouffe qu'il injecte, non? Et peut-être les boules qui reçoivent du dragon. Ouais, c'est ça, regardez. Plus il mange et plus, en gros, il se métamorphose. Et je pense que petit à petit, il va devenir l'Enderman. Allez, il est en train de construire, là. Ok, reste dans l'ombre et tout ira bien. Ah, tu peux le faire, mon pote. Maintenant, le dragon me détestait. Mais je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai dû continuer. Et au moment où je pensais que j'étais à court d'énergie... Oh, il a réussi. Hé, hey, je suis là. Je l'ai fait, c'est bon. Crois-moi, on ne peut pas du tout s'installer dans cet endroit. Allez, fais-moi un pont.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça? Ah, la gravité est plus basse ici. Non, j'ai eu une petite poussée de croissance. Non, mais je veux dire tes yeux. Moi, juste une allergie à la vie végétale locale. Laisse-moi revenir. On doit préparer un antidote. Non, je ne pense pas pouvoir faire ça. Oh là. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu pourrais nous contaminer. Attends, tu dois me laisser. Tu es ma seule issue. Ferme le portail. Non! Je suis désolé, mais c'est un protocole. Tu as l'air malade. Attends, tu veux que je saute? Eh ben, je vais sauter alors. Non! Attends, il va le trahir comme ça encore de plus là? Wesh! Non, mais lui, c'est vraiment un salaud lui. C'est vraiment un salaud depuis le début. Et du coup, ils ont refermé le portail. Il va rester là à tout jamais. Wouah, la zinzinerie du truc. Mais je suis pas un monstre. Mais je sentais les énergies étranges de cette terre qui commençaient à faire partie de moi. Alors j'ai erré pendant des jours, des mois et même carrément des années. Progressivement, j'ai commencé à oublier le monde que j'avais laissé derrière moi. J'ai oublié mon nom, le son de ma propre voix. Oh, c'est horrible. La seule chose que je ne pouvais pas oublier, c'était la façon dont mon ami m'avait regardé. Ça brûlait comme une braise dans mon cerveau. J'ai été seul pendant très longtemps que je ne peux le décrire. Mais ce n'était pas pour toujours, car finalement, un par un, ils sont arrivés. Qui ça? Ce qui semblait autrefois être une nouvelle frontière prometteuse est devenu un endroit où les constructeurs pouvaient jeter les criminels. Ah, c'est des criminels. Ok. Grâce à un nouveau portail à sens unique, le commencement était maintenant leur fin. Ah ouais, c'est une prison en fait. Je ne pouvais pas les comprendre. J'avais oublié leur langue. Mais c'était bien d'avoir d'autres personnes autour de moi. Surtout quand ils ont commencé à construire. Je voulais aider, mais... Et s'ils me chassaient? Je ne leur ressemblais pas. J'étais pas comme eux. Ah, comme quoi, tu vois, ça va. J'avais oublié à quoi ça ressemblait un sourire. Mais avec un peu de pratique, je me suis rappelé comment construire. Et cela a ouvert la porte à d'autres souvenirs. Ah ouais, eux aussi se transforment. J'ai dû leur faire comprendre que on avait des vies là-bas et qu'on pourrait utiliser ces dons pour pouvoir retrouver nos vies. Finalement, nos capacités de téléportation sont devenues si puissantes que nous avons pu échapper à ce monde-là et retourner dans le monde extérieur. On avait retrouvé le chemin de la maison, mais c'était trop tard. Ah ouais, comme il y a eu des milliers d'années, tous ceux que nous connaissions étaient morts. Ah, c'est horrible. J'ai finalement compris que les constructeurs m'avaient tout pris. Toute notre vie entière. Nous avons décidé alors de leur rendre l'appareil. Ah, ils vont se venger. On va répandre sur tout le pays et démanteler tout le reste des constructeurs. Bloc par bloc. Même les villageois qui étaient venus adorer les ruines n'ont pas été libérés de notre vengeance. Enfin, épargnés de notre vengeance. Ah ouais, ils se vengent sur tout le monde. Tant que nous serons ici, les constructeurs ne seront jamais tranquilles. Leur héritage seront que des cris et les grincements de dents. Ouais, ça se finit comme ça? En mode vénère et tout? Ouais, ok, ça se finit comme ça. Ouais, l'histoire est passée super vite, vraiment. Genre, j'ai pas vu le temps passer. Bon, mais en même temps, ça se comprend qu'ils aient envie de se venger. T'imagines comment il s'est fait trahir par son ami? Il s'est fait trahir, il a eu un moyen de revenir. Et là, pareil, double trahison, il le retrahit à nouveau. Non, franchement, c'est trop. Je comprends qu'il ait vraiment la haine, alors qu'à la base, c'était un mec super cool, super gentil, qui voulait aider le peuple. Et il s'est fait avoir, genre, par son propre projet, entre guillemets. Enfin, par son propre projet. Là, il s'est fait surtout trahir. Donc, vraiment triste histoire, encore une fois. Hein, ça a très mal fini pour lui. Et à la fin, je pense qu'il perd complètement toute humanité. C'est pour ça qu'il se venge avec tous les autres. Sur les villageois, sur les constructeurs. Franchement, c'est la première fois que je découvre une histoire Minecraft de GameToons. Et franchement, je kiffe. Il y en a plein d'autres. Donc, si vous voulez qu'on découvre l'histoire des autres personnages, je crois, il y a le Creeper. Enfin, bref, il y a plein de personnages. Donc, vous me dites tout ça dans les coms si vous voulez d'autres épisodes là-dessus. Merci GameToons, comme d'hab. Lien de leur chaîne dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne avant de partir. Et nous, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos et plein de nouvelles aventures. C'est votre truc, comme d'hab. Ciao, ciao!